souvent ton esprit, la vie, ta of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la troisième et dernière édition La Voix de l'Amérique pour jeudi mardi 11 février 2014 là. Édition Sabine Jeannot depuis studio 11 là, dans Washington DC, capitale des États-Unis. Moi c'est Serge Boudéguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Et grand point de voir développer après-midi à Jean-Pierre. Président américain Barack Obama recevoir président français François Hollande dans la Maison Blanche jeudi à et au bain en conférence de presse conjoint. Envoyé l'ONU à Krigarabla, l'acte Abrahimi, faire connaître Chita Kosi en délégué gouvernement syrien en composition, hein, difficile en pile et au parfait en pile progrès. Et puis Haïti, deuxième phase de dialogue inter-haïtien commencé jeudi à avec présence président haïtien Michel Martelly. On a bien détail sous ça que t'es dit dans journée ça, dans journal là. «
Nous commençons avec une nouvelle concernant la visite du président français aux États-Unis, Jean-Pierre Loire. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans le moment, l'État a accueilli président français François Hollande dans la Maison Blanche jeudi mardi. Monsieur Obama dit alliance qui m'a connu deux pays au plus solide et plus profond parce que j'en ai été pendant 20 ans qui sont passés. Chita parlé qui déroulait jeudi en deux leaders couvrit dossier nucléaire Iran, la guerre syrienne et fort pour combattre terroristes sur le continent africain, sans oublier question échange commercial, question économique et changement climat. M. Obama dit négociation nucléaire avec Iran, c'est une négociation qui poil chita sous aide et effet. Il n'est pas juste plutôt sous l'effet, M. Obama dit, il n'a pas cité, moins pas quoi, qu'est-ce que c'était qui existait pendant les négociations, yo. C'est pour qu'on ait si oui ou non les États-Unis pour faire trop concession. Question, c'est plutôt pour qu'on ait si oui ou non Iran pour être capable de reconnaître l'opportunité pour le prouver d'une façon communauté internationale là, qu'à vérifier et que ce technique est capable de confirmer que des matchs nucléaires, yo, c'est des matchs pacifiques. Beaucoup de parle, président français, François Hollande, qui t'a réagi sous déclaration, monsieur Obama a fait jeudi mardi, dans la Maison Blanche, sous lien qui existait entre la France et les États-Unis, dit, c'est un rapport qui chita sur une histoire manche longue. Comme vous l'avez dit, une longue histoire nous rassemble. Elle ne nous a jamais séparés. Depuis Yorktown jusqu'aux plages de Normandie, chacun de nos deux pays sait ce qu'il doit à l'autre, c'est-à-dire sa liberté. Et la France et les États-Unis sont unis aujourd'hui encore pour faire prévaloir ces valeurs. Nous sommes ensemble pour combattre le terrorisme, ensemble pour répondre à la menace de la prolifération des armes nucléaires ou chimiques, ensemble pour résoudre les crises au Proche-Orient, ensemble pour trouver une solution en Syrie, ensemble pour le développement de l'Afrique, ensemble, toujours ensemble, pour lutter contre le réchauffement climatique. Déclaration président français à François Hollande qui trouvait le site Washington dans le cadre d'une visite officielle et ce premier visite d'un chef d'État français a fait sous territoire américain depuis l'année 1996. Envoyé l'ONU avec Ligue Arabe, l'Agda Brahimi, fait qu'on est un chita causé entre délégués gouvernement syrien à composition contre président Bachar al-Assad là, il est difficile en pile et il n'a pas fait en pile progrès. Réunion jeudi mardi à Genève, c'était deuxième journée dans une nouvelle série chita causé pour faire deux parties. Ils ont négocié, ils ont fait une bataille qu'a fait depuis trois années, établi un gouvernement transition. Dans une conférence pour la presse, M. Brahimi fait qu'on est parti à faire couillot qu'on est pour faire négociation ou démarrer. Et lui dit, faut que tous les deux camps collaborent sans oublier l'autre partie qui est impliquée. M. Brahimi a un plan rencontré vendredi ça avec sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman, avec vice-ministre affaires étrangères Rusla Gennady Gatilov. Shirley Temple Black, qui était en main carrière actrice dans Hollywood pendant l'été de Simone toujours, mourit à l'âge 85 ans. Elle était en main carrière, lui, dans l'époque, gros dépression, financière, année 1930, et il était arrivé, créé, qu'est content, la carrière américaine, malgré problème, pays à tape traversé dans l'époque, ça. Shirley Temple Black, qui a décédé dans une mutuelle lundi, en bas cause naturelle, dans résidence en privé, lui, qui tout prévu San Francisco, dans l'État Californie, d'après, ils ont communiqué, ma famille, publié, Shirley Temple, que monde te connaît plus bien, à cause cheveux bouclés, clé que t'es dans tête li, et trou beauté li te gen bon figu li, te rivé charmé les États-Unis à cause talent chanté et dansé, moun te ka constaté nan pile film li te joué nan moment li te ti moun toujours. Il devine tout un symbole nan industrie cinéma américain à cause chanté, on de good chip lalipap, ak danse claquette li kon exécuté à gros danseur légendaire noir américain Bilbo Jingles nan film qui te relé The Little Colonel. Actrice de Temple Black te recevoir un prix Oscar en 1935 pour qu'aucun contribution était portée dans l'industrie art et spectacle ici aux États-Unis. Actrice là a été point retraite liée en 1949 à l'âge 21 ans. Dossier santé, en Afghanistan, une si fille 3 ans, tourné premier monde docteur diagnostiqué avec maladie polio, dans la capitale Kaboul, depuis qu'il a été renversé taliban sous pouvoir, dans l'année 2001. Yon porte-parole ministère de la santé, en Afghanistan, fait qu'on est, si fille là, cap vive, n'a pas t'il laisse Kaboul, paralysé, yon bon, après, il finit trapper maladie, ça. Maladie polio, c'est une maladie qui est infectée en pile, et li, capable de paralyser
paralysie irréversible. Et Afghanistan, Pakistan, Nigeria, c'est seuls trois pays côté maladie ça toujours présent. Polio t'est subi une baisse en Afghanistan. Cependant, responsable médical yo t'est recensé 14 cas dans l'année 2013 là. Ministère de la Santé a fait qu'on est l'état en main une campagne vaccination dans la capitale là, une façon pour contrecarrer dernier cas maladie polio enregistré dans pays. Dans les actualités internationales, l'autorité américaine qui a annoncé jeudi l'arrestation de 24 personnes après démantèlement d'un cartel drogue qui est associé à deux gros groupes mafia. Responsable qui baille détails sur l'opération infiltration, dans une conférence tête ensemble dans ville Rome, pays Italie, fait qu'on ait un nouveau réseau contrebandant et connecté à l'organisation Ndrangheta qui est basée dans Calabria, extrême sud-ouest péninsule italienne, avec famille crime organisée Gambino qui établit dans New York lui-même. Alliance a été impliqué dans fait exportation cocaïne sorti dans l'Amérique du Sud pour aller ici, pour entrer ici aux États-Unis. On a arrêté eux tombé en bas. Trafic de drogue avec lien serré avec organisation mafia. Les États-Unis semblaient lire sur route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, député républicain John Boehner, dit jeudi, il pourrait permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable de prêter, qui donc gouvernement pourrait être capable de dépasser plafond dette 17 300 000 000 $ qui en vigueur journée jeudi, sans qu'un républicain n'a pas fait aucune exigence sur ça. Nouveau président réserve fédérale des États-Unis, Janet Yellen, fait qu'on est un décideur politique américain, yo, bien capable, réduire appui direct, contre l'économie américaine, dans mois qu'à venir, yo, une façon, pour pigou économie mondiale, là, continuer prendre j'arrête. Madame Yellen dit jeudi mardi, Banque Centrale, là, pour elle continuer à réduire, dans plusieurs milliards de dollars, les qu'on a habitué dépenser pour acheter bon sur marché, cependant, il pas dit qu'il est, ça pour le fait. Réserve fédérale, là, déjà réduit, à chaque 85 milliards de dollars, les qu'on a fait, dans 100 pour mettre le counier, à 65 milliards de dollars kounia. Eh bien, c'était Transactualité internationale là, sur la Voix d'Amérique était branchée. Nous prenons tout de suite à nouvelles concernant le pays d'Haïti. Ou même qui a fait demande visa, attention à moun qui a dit que vous avez aidé à joindre un visa. Ou qui a victime fraude, ça y aurait les raquettes. Et fraude, c'est un gros crime. Bayon concile faux documents. Ou soit document pas ça, ka fait que yo annuler demande visa et ou capable jamais ka aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pa gen relation spéciale ak aucun moun ou soit businessman ka ofri service dans affaire bay visa. C'est consul nan ambassade la seulement qui bay visa. Pa jamais oublier, li nan avantage pa ou pour bay vérité, les wap rempli formulaire yo. Et les wap parler avec consul. Ambassade là a travaillé ensemble avec la police, ensemble avec archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans archives ak l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka fè ou joindre yon visa. Ou doit faire nous konn ça sans perdre du temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. PAP FRAUD@state.gov. Si vous voulez bonjour information sous affaire visa, vous pouvez joindre sous site ambassade là dans www.haiti.usembassy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, commence jeudi à l'hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques, après rencontrer avec le président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui a été joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP, qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Non pas qu'on finit, parce que non, la deuxième partie.